au lendemain des attentats du Bataclan, invité sur BFM TV, Philippe de Villiers, devant Ruth Elkrieff, ébahi, osait tenir ses propos. Ceux qui, depuis 30 ans, ont organisé l'immigration massive dans notre pays et ont favorisé l'islamisation de la France ont sur les mains le sang des victimes des attentats du Bataclan. Et ce matin, comme il le fait régulièrement après les morts de Charlie Hebdo, après la mort d'Hervé Cornara, après les morts du Bataclan, après les morts de toutes les victimes de l'islam, celui qui nous sert de président de la République a tenu à Versailles les mêmes discours larmoyants et compassionnels. Eh bien, nous en avons marre. Nous en avons marre de ce président qui n'est même pas capable de désigner en nous disant que la France est en guerre, qui n'est même pas capable de nous dire contre qui nous sommes en guerre et qui nous dit simplement que nous sommes en guerre contre le terrorisme et que de temps en temps il trouve que nous sommes en guerre contre Daesh. Mais Daesh et surtout pas l'Arabie Saoudite et surtout pas le Qatar. Et surtout pas ses alliés, et surtout pas l'islam, non, simplement Daesh. Eh bien, nous en avons marre de ces non-dits. Nous en avons marre de ce Premier ministre qui passe son temps à traiter de raciste, de fasciste, les patriotes qui n'ont qu'un tort à ses yeux, c'est de trop aimer leur pays pour le laisser livrer à la société multiculturelle, à l'islamisation et à l'immigration massive. Nous en avons marre de ce Premier ministre qui n'a qu'un projet à nous vendre, qui n'a qu'un projet à vendre à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est de nous dire que ça va durer 20 ans, que nous allons avoir 20 ans de terrorisme, que nous allons avoir 20 ans d'assassinat islamiste, mais que c'est qu'un mauvais moment à passer et que peut-être que dans 20 ans ça ira mieux. Nous en avons marre. Nous en avons marre de ce ministre de l'Intérieur, le pire que la Ve République ait connu. Celui qui envoie au massacre ses policiers, qui leur interdit de se défendre et qui, quand ils se défendent, a le culot de les laisser se poursuivre devant les tribunaux, a le culot de les enfoncer, n'a jamais un mot pour défendre ses troupes. Nous en avons marre de ce ministre de l'Intérieur qui n'a rien d'autre à nous dire. Au lendemain de l'assassinat barbare de ce policier et de son épouse à Mantes, que si l'assassin était en liberté, c'était pour préserver l'état de droit. Nous en avons marre. Nous en avons marre de ce ministre de l'Intérieur qui est plus souvent dans les mosquées en train de rompre le jeûne du Ramadan ou de demander pardon au nom de la France que dans son bureau, en train de protéger les Français contre la barbarie qui les menace. Et nous en avons marre de tous ces enfumeurs qui nous parlent du bon islam et du mauvais islamisme. Nous en avons marre de ces enfumeurs qui nous parlent de musulmans modérés, qui nous parlent de patriotes musulmans, qui nous parlent de choses qui n'ont jamais existé. Nous en avons marre de ces enfumeurs et nous en avons marre de ceux qui ne nous disent pas la vérité et qui ne parlent pas juste par rapport à la guerre à laquelle nous sommes confrontés. Si l'islam nous a déclaré la guerre, alors il faut la faire à l'islam et ne pas laisser l'islam continuer à nous agresser comme il le fait. Et faire la guerre à l'islam, c'est saper ses fondations sur notre territoire. Erdogan lui-même le dit, nos mosquées ce sont nos casernes. Eh bien quand on est en guerre, on ferme les casernes de l'ennemi. Quand on est en guerre, on n'accepte pas l'unité.
uniforme de l'ennemi sur notre propre territoire. Quand on est en guerre, on n'accepte pas les djellabas, on n'accepte pas les camis, on n'accepte pas le voile islamique, on les interdit. Et pour finir, nous avons besoin d'un discours de vérité, mais aussi de perspectives très claires. Nous devons dire que les disciples du djihad, ceux qui veulent nous imposer la charia en France, doivent être expulsés de France, que ça soit par milliers, que ça soit par dizaines de milliers ou par centaines de milliers. Ils n'ont rien à faire sur notre territoire et nous devons dire clairement « Islam, hors de France !»